French ensemble called Eshareh, consisting of percussionist, art director Julien, jazz clarinetist Matteo, classical guitarist and vocalist Simon, mesmerized crouch-eyed at Alliance Française by an hour-long performance. Talking to News Pakistan TV, members of the trio expressed their excitement over visiting culturally rich Pakistan for the first time. I'm very excited because it's the first time in Pakistan and first time in Asia for me. They said that a concert here was an incredible experience for Europeans, and particularly three of them who featured music from diverse horizons. Pour tous les trois, c'est la première fois au Pakistan et on est très heureux évidemment d'être là. C'est une chance assez incroyable pour des musiciens européens de venir faire ce genre de tournée de concert. Revêt pour nous, ça revêt une importance particulière puisque nous sommes des musiciens qui jouons des musiques qui viennent d'horizons très différents, et donc c'est un plaisir évidemment de pouvoir incarner ça dans des pays assez éloignés de chez nous. Voilà. Explaining the name of their ensemble, Julien told it was a Persian word meaning illusion. Alors, Eshareh, c'est un mot en parsi, en persan, qui signifie allusion. Voilà. Julien, who plays Iranian drums, said that Persian music harbored some elements of Indo-Pak subcontinent. Matteo, who is from Sardinia, Italy, plays jazz, while Simon chants classical Celtic songs. Chaque musicien, Simon, Matteo, pour ma partie aussi, nous incarnons des éléments de culture assez différents, assez singuliers. Simon propose du chant traditionnel en langue française. Moi, je joue donc les percussions d'Iran, du Moyen-Orient en général, avec des éléments de grammaire indienne, de musique hindoustanie aussi. Et Matteo qui joue le jazz à la base. Believing on the identicalness of verses lingo, the trio attempts to set off a dialogue between different cultures by means of poetry. On est chacun dans une référence, une allusion à une culture, à des cultures, et on incarne une discussion, une conversation sur scène, avec des langages très différents, mais on arrive à parler une langue, c'est celle de la poésie. During the hour-long performance, Eshareh also presented original compositions.